Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Gaming. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour la nouvelle saison de Mario Kart qui est la saison citadine. Et comme son nom l'indique, il met en avant toutes les villes, voilà, donc toutes les villes qu'on a pu avoir lors de toutes les saisons. Et il met surtout en avant du coup la ville de Berlin. Voilà. Au niveau de la saison, je suis pas particulièrement fan du fait qu'on ait toutes les villes parce que c'est des circuits qui sont assez longs en général. Et je sais que généralement, moi, pour faire mes quêtes ou même pour faire des trucs ou même pour jouer tout court, j'aime bien les circuits courts, voilà. Donc voilà, moi c'est mon avis personnel, j'aime pas forcément le fait qu'il y ait vraiment que des circuits longs. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais faire en même temps que je vais présenter les tuyaux, la course du jour, qui est du coup la balade berlinoise. Et comme ça on va pouvoir voir un petit peu les circuits de Berlin. En même temps du coup que je présente les tuyaux. Vous avez comme d'habitude affiché sur l'écran les tuyaux sur la gauche. Et juste en bas vous avez les deux saisons à venir que je vais du coup vous expliquer un petit peu. Au niveau des tuyaux, on a du coup la Harmonie, alors je sais plus son nom, faudrait que je regarde son nom. Pâtissière, j'en sais rien, faudrait que je regarde le nom, j'ai même pas regardé le nom. En tout cas là je suis en train de la jouer actuellement, voilà, pour le défi du jour. Et on a également le Luigi Bavarois qui revient. Ce qui est bien avec la nouvelle Harmonie, c'est qu'elle a la frénésie Rose Banane, du coup c'est pas mal, voilà, c'est une des meilleures frénésies selon moi. Bon là je vais pas forcément faire gaffe à mes combos parce que je me concentre pas trop sur la route, je me concentre surtout sur les tuyaux pour vous présenter et j'ai forcément un petite image devant moi pour m'en rappeler, voilà, les différents tuyaux. Donc le tuyau est vraiment pas dégueu, vous avez du coup 6 ultra rares en lumière, vous avez les deux cartes également et 2 nouvelles ailes également. Du coup voilà, le tuyau est franchement pas dégueu, moi j'ai au moins 500 rubis, je sais pas encore ce que je fais comme opening, voilà, comme précis dans mon ancienne vidéo, enfin dans ma précédente vidéo, j'ai un peu la démotivation des vidéos, du coup c'est vrai que je fais pas du tout d'opening en ce moment, faudrait que je vois pour en faire. Et au niveau des persos, il me semble que j'ai le Luigi Bavarois et qu'il me manquerait du coup que la nouvelle Harmonie, voilà. En termes sinon de tuyaux de dimanche, vous avez le tuyau qui est affiché du coup également sur la gauche, voilà, un tuyau avec des persos qui sont déjà tous apparus il me semble, je pense pas qu'il y ait de nouveaux persos dans le tuyau, enfin en tout cas je vois pas de nouveaux persos, voilà. Le tuyau est pas forcément dégueu, voilà, vous avez également des ailes dans le tuyau, faudra voir dimanche si jamais il y a des trucs en lumière, combien il y a de persos, ça doit être un peu comme d'habitude je pense, généralement dans les tuyaux de 50 il y a 2 persos ultra rares, 2 ailes et 2 cartes parmi ceux présentés, voilà, donc ça veut dire que vous en aurez logiquement 6 ultra rares, dont 2 persos, normalement, donc c'est à peu près tout le temps comme ça, je sais pas si là ce sera pareil ou pas. Et au niveau du tuyau de la semaine prochaine, vous avez la Harmonie Volendam, je sais plus, qui revient, donc c'est celle qui était apparue lors de la saison de Amsterdam il y a quelques semaines, donc il n'y a pas si longtemps. Voilà, elle revient, et elle, il me semble qu'elle a la frénésie Boomerang, du coup également c'est une frénésie qui est très très bien, voilà, une des meilleures frénésies également. Et vous avez également le Luigi peintre que j'ai déjà. Voilà, je sais plus d'ailleurs son objet. Donc j'ai déjà, donc ça fait que dans chacun des tuyaux, il en manque à chaque fois un. Voilà, donc je sais pas du tout ce que je fais. Faudrait que je joue en fonction de la saison, je pense, si j'ai le temps de rush, etc. Donc voilà. Au niveau de la course, on a vu la course de Berlin, voilà, qui est super jolie. Voilà, comme d'ailleurs toutes les courses de ville, je trouve que toutes les villes sont super, super belles. Voilà, juste le fait qu'elles soient un peu longues, bah, c'est un peu gênant, je trouve, mais bon, voilà. Voilà concernant l'annonce des tuyaux. Concernant le petit truc que vous avez juste en bas, c'est pour annoncer du coup les prochaines saisons, c'est parce que vous avez des défis, des nouveaux défis du coup qui durent sur 2 semaines, donc sur 4 semaines pardon, donc pendant les 2 prochaines saisons. C'est les défis de la ville et donc vous gagnez un total je crois de 48 rubis, vous avez tous les rubis ici, donc vous gagnez à chaque fois 1 ou 2 rubis, plus les 30 rubis totaux, ouais, si vous finissez du coup toutes les quêtes. Voilà, et en plus les quêtes sont franchement pas si longues je pense. C'est surtout, je crois, faire, je sais pas, 30 fois la ville, un truc comme ça. 30 circuits de ville, faudrait que je regarde vite fait. Alors, attendez, c'est quoi du coup les quêtes? Il me semble que c'est des quêtes assez accessibles de mémoire. Voilà, terminer 12 coupes, décrocher 30 fois la première place sur un circuit de ville. Et franchement, c'est que des circuits de ville, donc du coup, profitez-en, bah, justement, de faire les quêtes de ville, voilà, parce que c'est le moment. Voilà. Le nom de la prochaine saison, on l'a pas encore, mais on sait que dans 2 semaines, du coup, vous aurez 3 tuyaux à acheter, 3 tuyaux ultra rares à acheter en boutique, du coup, pour avoir des ultra rares dedans, donc des tuyaux dorés. Et vous aurez également, dans 2 semaines, dans la boutique d'événements, bien sûr, et vous aurez également des défis tous les jours, il me semble, pour gagner plus de pièces. Voilà, donc voilà, je sais pas du tout c'est quoi la prochaine saison, je crois qu'on n'a pas encore eu de leak, enfin de pistes, etc. Donc je sais pas trop. Au niveau de la boutique de jetons, elle reste assez classique cette saison, voilà. Donc vous avez comme d'habitude des rubis, quelques persos, etc. Et au niveau de la boutique de ligue, moi j'ai cette aile-là que je vais acheter, voilà. Parce que je suis ligue 57. Sinon, si vous finissez dans les 3 premiers, enfin surtout pour la première place, vous avez également le Mi Harmonie qui revient.
Du coup voilà, je vais essayer de faire le maximum pour finir première soit cette ligue là, soit la prochaine ligue. Il me semble, si je regarde rapidement, que j'ai tous les persos. Alors je sais pas si j'ai forcément les cartes et les ailes, pardon. En tout cas, il me semble voilà que j'ai tous les persos. Du coup, j'en ai pas forcément besoin pour cette ligue là. Et du coup, si on regarde rapidement pour la troisième ligue, on aura du coup ici où j'ai même un frénésie niveau 7, ici où j'ai un frénésie niveau 3, et ici j'ai le peintre, donc il n'y a pas de souci pour les frénésies. Voilà, donc je suis même pas sûre de faire de pack opening pour cette saison, parce que ça m'apporterait pas forcément grand chose. Au niveau des cadeaux, je crois que c'est à peu près pareil, voilà, à peu près pareil que d'habitude, vous avez quelques persos, vous avez plus de rubis pour ceux qui ont le pass. Donc voilà, ça change pas grand chose. Comme vous avez pu remarquer sûrement, mercredi, hier en fait, pour l'arrivée de la nouvelle saison, ça a mis beaucoup de temps. Je crois que le serveur était out tout le mercredi matin. Et du coup, tout ça pour dire que on a eu un cadeau. Voilà. J'allais dire justement, on n'a pas eu de cadeau, mais si, on en a eu un. Du coup, n'hésitez pas à le récupérer. C'est 20 rubis du coup pour la compensation du fait qu'on pouvait pas se connecter le mercredi matin. C'est vrai que moi j'étais comme une folle en voulant voir si j'avais fini bien 3ème. Et puis finalement, voilà. Au niveau du coup de ce perso, il s'appelle du coup Harmony Chef. Ok, ça marche. Et il a bien du coup la frénésie banane géante. Et il me semble que lui, voilà, il a la frénésie triple champi turbo. Au niveau du pack opening, je sais pas du tout encore ce que je ferai. Peut-être qu'il y aura une vidéo la semaine prochaine, peut-être, pour un des packs opening que je verrai au feeling. Voilà, vous avez vu, j'ai 661 rubis. Je peux largement finir le tuyau. J'ai juste pas forcément envie de gâcher mes rubis comme ça pour des persos qui ne seront pas forcément utiles en ligue. Donc voilà, là je parle beaucoup, mais je pense que ça va être la fin de cette vidéo, j'ai à peu près tout présenté, et n'hésitez pas à rajouter en commentaire si j'ai des trucs que j'ai pas forcément dit, voilà. J'épinglerai le commentaire si jamais c'est important, etc. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner, et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo, et pas un prochain live, vu que, comme je vous ai dit, je ne live plus en ce moment. Du coup, la prochaine vidéo, ce sera soit un pack opening, soit une présentation des photos que vous pouvez toujours m'envoyer à Elodie, enfin elodro.yt@gmail.com. Vous pouvez envoyer les photos de cette saison en format horizontal et ça passera du coup dans une prochaine vidéo. Voilà, bisous!